Quand on parle avec les chrétiens ou les juifs, on a l'impression d'un marché des dupes. J'écoutais tout à l'heure l'émission de Marie-Noël Fenouil, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, et dimanche matin sur Radio Notre-Dame, et elle nous parlait de l'élection d'Israël. Pour revenir au mot Israël, je vais parler anglais, c'est un problème. Il disait, ben oui, mais Dieu n'a pas renié son alliance. Il ne peut pas renier son alliance. D'ailleurs, s'il devait la renier avec Israël, il pourrait la renier aussi avec les autres, etc. Donc, de toute façon, on reconnaît qu'il y a plusieurs alliances successives, mais en même temps qu'il ne renie pas son alliance antérieure. Alors, c'est quand même un peu compliqué comme raisonnement, voyez-vous, parce que si je dis, oui, ben effectivement, oui, les Hébreux, oui, il y a leur alliance existe toujours, mais il y a eu d'autres alliances. Vous savez, ça fait penser à ces montages financiers. Il y a une augmentation de capital qui fait diminuer les parts des actionnaires précédents. Parce que l'actionnaire, ce nombre d'actions a diminué proportionnellement à l'ensemble des actions. Eh bien là, c'est pareil, on a l'impression que, oui, bon, d'accord, ils sont élus, on les élimine pas, on les rejette pas, mais ils sont noyés dans la masse. Et ça, ça n'est pas dit, clairement. Donc c'est un double langage qui est assez pénible, quelque part, à entendre, surtout quand ils se présentent sous une forme, disons, relativement équitable, etc. Cela dit, Marie-Ange a raison, ou Marie-Noël plutôt, elle a raison parce que elle cite un chapitre de l'Épître aux Romains qui énumère tous les privilèges et tous les acquis du peuple hébreu. Et ça, c'est tout à fait appréciable. Donc, là, les choses sont quand même plus claires. Enfin, elle est à la fois plus claire et pas si claire que ça, mais malgré tout, il y a là quand même des choses importantes qui sont dites, notamment au niveau de la race dont Jésus est issu, etc., des patriarches. Et ça laisse entendre quelque part entre les lignes que malgré tout, le sang c'est le sang, l'hérédité c'est l'hérédité, la filiation c'est la filiation, et qu'on ne peut pas se substituer à cette filiation. Donc, d'une certaine manière, cette élection, on ne peut pas se convertir à une élection. On peut être adopté. On peut être adopté. Mais l'enfant adopté, ce n'est pas l'enfant du sang.